This announcement that Flow and CIB are launching today is really key for Canadians, as it is doubling the number of public charging ports for Canadians, so they feel more confident that they can drive around and access charging infrastructure. So it's really helping Canadians to switch to electric vehicles. Notre investissement avec Flow, l'idée c'est si nous pouvons accélérer l'installation des ports électriques, ça va augmenter ou accélérer l'adoption de véhicules électriques. Et éventuellement, ceci va diminuer les émissions des gaz à effet de serre plus vite. L'annonce que Flow et la Banque d'infrastructures canadiennes font aujourd'hui est vraiment majeure. On parle de doubler le nombre de ports de recharge publics rapides canadiens, donc 2000 ports de recharge publics additionnels, ce qui va permettre, selon nous, de vraiment aider les Canadiens à se sentir confortables à conduire partout sur le territoire, puis surtout convaincre plus de Canadiens à emboîter le pas de la mobilité électrique. This is a real milestone for the CIB, given that we launched this program last fall with the idea that we could get more chargers out of the market quicker. Well, ultimately, faster rollout of EV charging networks leads to faster adoption of EV vehicles, which leads to GHG emission reductions.